Et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours continue sur le C++. Alors, je vais ouvrir CodeBlock. Voilà, je ferme la script console. Ah non, d'abord le mot du jour, close, et la script console. Alors, je vais réouvrir le projet, file open, projet1.cbp. Voilà, alors, de quoi je voulais vous parler. Tout d'abord, de l'indentation. Vous voyez ici, en fait, ici, là, il y a quelques espaces de retrait. On appelle ça l'indentation. Donc, quand je me mets à la fin d'une ligne et que je me mets entrée et que je fais entrée, ici il y a directement un espace, enfin plusieurs espaces qui sont ajoutés. Alors pour bien avoir cette indentation automatique, il faut donc aller dans Setting, Editor. Voilà, et ici il faut avoir coché Tab Indents. Et là, on voit que le tab size, donc la taille d'une tabulation en espace, est de 4 espaces. Voilà, donc moi, c'est tout bon. C'est coché, c'est égal à 4 espaces. Voilà. Donc moi, c'est bon, je fais cancel, mais sinon, vous pouvez l'activer. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse sur l'indentation. Alors, ce que je voulais surtout voir en fait, c'est les opérations de base mathématiques, à savoir plus, moins, multiplier, et diviser. Voilà. Donc on va faire un peu de mathématiques très simple. Donc toujours c out, inférieur inférieur, et on va faire 10 plus 20 et retour à la ligne. Voilà. Alors, on va faire File, Save Everything. Mais comme alors le raccourci de Save Everything, c'est Alt Shift S. Mais le raccourci de save, c'est CTRL S. Et nous, là, on a juste modifié enfin, le fichier, on peut voir ici, là, main.cpp. Donc si je rajoute, par exemple, un espace, au lieu de faire file save everything, je peux faire CTRL S. Voilà. Donc il faut penser à sauvegarder le plus souvent possible. Vaut mieux sauvegarder une fois de trop que pas assez. Voilà, donc CTRL S, c'est un peu comme dans tous les logiciels pour sauvegarder. Voilà, donc pensez à sauvegarder. Alors, ensuite build, c'est pour compiler. Voilà, donc on transforme main.cpp en projet1.exe, 0 erreur, 0 warning, donc ça c'est bon. Et maintenant on aimerait voir un peu le résultat, donc build run. Voilà, donc on a le soleil brille, le chat est noir, et un résultat
30. Voilà, donc on a fait des mathématiques de base. Alors on va un peu améliorer. On va faire ici du texte 10 plus 20 espace égale espace. Voilà, je fais CTRL S. Voilà, et je fais cette fois-ci, je fais les deux en même temps. Je fais build and run. Ça va un peu plus vite. Comme je ne pense pas avoir fait d'erreur, je peux faire directement les deux. Et le raccourci, c'est F9. Build and run. Voilà, donc là, on voit bien 10 plus 20 comme texte. Et puis le calcul qui 10 plus 20 est égal à 30. Alors, une opération un peu plus compliquée, c'est out 10 plus 6 divisé par 2 multiplié par 4 plus 35. Et un retour à la ligne, end line. Toujours point-virgule à la fin. C'est très important, le point-virgule à la fin de la ligne. Alors, on va aussi afficher un peu de texte. 10 plus 6 divisé par 2 multiplié par 4 plus 35 égale. Donc, CTRL S, puis Build and run. Voilà, donc on trouve 57. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ordre des opérations qui intervient. Donc multiplier et diviser sont prioritaires sur plus. Donc le C++ commence par l'opération la plus à gauche et la plus prioritaire. Donc il va commencer par 6 divisé par 2. Je l'ai noté ici, 6 divisé par 2, ça fait 3. Ensuite, 3, il va le multiplier par 4. 3 fois 4, ça fait 12. Ensuite, il n'y a plus que des additions. Donc il va prendre 10 et il va faire plus 12, ça va faire 22. Et 22, il va faire plus 35, ça va nous faire 57. Voilà, donc c'est un comme en mathématiques, hein, les multiplications et les divisions sont prioritaires. Voilà. Ok. Alors maintenant, si je fais cette opération, c'est-à-dire je prends un très grand nombre et puis je veux le multiplier par 20, le diviser par 4, le multiplier par 6 et faire plus 15. Donc là, j'enregistre et je vais faire build and run. Alors, je trouve pas ce que je voulais. Alors, on va ajouter des zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Par exemple, build. Voilà. Donc, j'ai pris un nombre vraiment très grand. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai trois warnings.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc tout simplement, il m'explique que à la ligne 10, on est bien à la ligne 10. L'entier constant, donc mon nombre, est trop grand pour son type. Donc c'est-à-dire que l'ordinateur, lui, il travaille avec des entiers d'une certaine grandeur. Par exemple, sur un ordinateur, on pourrait travailler par exemple de 0 à 4 milliards. Et ben là, mon nombre, il est vraiment trop grand. Donc l'ordinateur ne va pas arriver à la réponse juste. C'est comme sur une calculette. Sur une calculette, si vous n'avez pas assez de chiffres pour faire votre nombre, si c'est trop grand pour la calculette, elle n'arrivera pas à calculer. Et ben pour l'ordinateur, c'est pareil. Il y a aussi des limites. Et si je mets un nombre trop grand, et ben l'ordinateur, il va calculer, mais ça va être faux. La réponse va être fausse. Alors, je fais build and run. Voilà, alors il affiche quelque chose, mais je pense pas que ce soit la bonne réponse, quoi. Voilà. On va refaire build and run. Alors pourquoi il ne me fait plus d'avertissement? Il le fait peut-être qu'une seule fois. Build. Ok. D'accord, il le fait juste une fois et après il... Alors si par exemple j'enlève un 0, je sauvegarde, je fais build. Voilà, il recommence. Il recommence par me dire que le nombre est trop grand. Voilà. Donc ça, c'est les limites de l'ordinateur. On verra peut-être comment essayer de contourner certaines limites, mais l'ordinateur a quand même des limites. Alors, si on prend cet exemple. Voilà. Alors, a priori comme ça, 10 000, c'est pas un nombre très grand, et donc a priori l'ordinateur devrait pouvoir calculer avec. Mais si on multiplie plusieurs fois 10 000 par 10 000, qu'est-ce que ça va donner? Alors, build, j'enregistre, build and run, hop. Alors là, il affiche quelque chose. Mais ça m'étonnerait que ça soit juste. Parce qu'on a que 10 000 par 10 000, 10 000, donc on devrait trouver un nombre avec que des zéros. Donc là aussi, ça va pas. Alors, je vais faire une modification. Je vais enregistrer, je vais juste faire build. D'accord, donc il n'affiche pas de warning. Il n'affiche pas de warning, mais le calcul est faux. Voilà, donc normalement, sur un ordinateur 32 bits, il me semble, le plus grand nombre positif est 2 milliards et quelques. Le plus grand nombre
négatif et moins 2 milliards et quelques. Ou si on travaille que avec des nombres positifs, c'est possible, ça sera de 0 à 4 milliards et quelques. Voilà, donc maintenant on a des ordinateurs 64 bits, donc c'est possible de travailler avec des nombres plus grands encore, mais il y aura toujours à un moment donné une limite, les limites de l'ordinateur. Donc il faut le savoir, quoi. Voilà, alors sinon autre chose, des parenthèses. Voilà, alors on fait 10 plus 6 divisé par 2 multiplié par 4 plus 4 entre parenthèses. Donc là, alors on va mettre en commentaire ces deux lignes. Voilà. Et donc on va afficher l'opération en texte. Donc je fais copier-coller. 10 plus 6 divisé par 2 multiplié par 4 plus 4 entre parenthèses. Espace égale espace. Voilà. Donc build and run. Voilà, donc ça me donne 34. Donc en fait on fait 4 plus 4, donc c'est égal à 8. Ensuite on fait 6 divisé par 2, c'est égal à 3. 3 on le multiplie par 8, donc ça fait 24. Et on fait 10 plus 24, ça fait bien 34. Donc voilà, comme en mathématiques, si on met des parenthèses, l'opération entre parenthèses est prioritaire. Alors, sinon, quoi d'autre? Comment afficher une tabulation? Donc on fait cout, alors le soleil brille, et cette fois-ci ici, au lieu d'un espace entre soleil et brille, on a mis un anti-slash. Alors voilà, un anti-slash et T. Donc le soleil brille, alors le soleil, anti-slash T, brille, point d'exclamation. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Build and run. Alors j'ai sauvegardé, non, CTRL S. Build and run. Voilà. Voilà, donc là il y a une tabulation. Hein, c'est comme dans le code source, quand je mets une tabulation, il y a quatre espaces. Donc ici, le soleil, une tabulation et brille. Voilà. Alors ensuite. Maintenant, si je voulais afficher le soleil anti-slash t brille point d'exclamation, comment je ferais? Si je mets deux anti-slash l'un à la suite de l'autre, l'ordinateur il va comprendre que ce n'est pas une tabulation anti-slash t, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de spécial, c'est juste un anti-slash. Puis T comme caractère. Donc on y va, build and run. Voilà, donc là ça affiche bêtement le soleil anti-slash T brille point d'exclamation. Voilà. Alors maintenant on sait aussi comment afficher un guillemet. Comment afficher un guillemet? Voilà, on met tout simplement un anti-slash devant le guillemet. Comme ça, C++ comprend que c'est pas la chaîne de caractères qui s'arrête,
mais c'est on veut afficher un guillemet. Donc build and run. Voilà, on a affiché un guillemet, point. Donc il y a un guillemet qui s'affiche et point. Voilà, donc et puis petit rappel, on a le choix de faire build pour juste compiler et voir s'il n'y a pas d'erreur, build run pour lancer le programme, et sinon on peut faire build and run avec la touche F9. Voilà, un petit rappel pour les raccourcis. Voilà, c'est tout pour le moment et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.